Attention Nico pour Dandy 33 qui t'appelle. Eh bonjour. Eh bonjour. Voilà, il y a... Je sais pas si c'est la gorge qui est enrouée ou le micro qui est enroué, mais là ça passe cracra. Ouais, ça crachote, ça... Comme s'il y avait des fils qui faisaient mauvais contact. J'ai compris pile, donc j'imagine que c'est la pile qui doit être morte, si bien possible, oui. Ah là, ça va un petit peu mieux, là. Ah ben non, c'est reparti en sucette. Ah chi. Putain, le bon cuisson du matin. Problème de pile. Hachi, quelle est la meilleure pile à utiliser? Depuis que j'ai le micro, j'ai jamais changé la pile, alors ça peut-être temps. Ah oui, d'accord. Tiens, justement, à propos de ça, je vois, moi, là, sur le CRT 7009, pardon, que j'ai, là, au QRA, bon, j'ai un petit souci dessus, donc il est rangé, là, pour le moment. Le micro préampli fonctionnait très bien dessus, pas de souci. Là, j'ai un Lincoln 2 là, dans la voiture. C'est con, ils ont été de foutre les commandes UPTO, la montée-descente des canaux, en plein sur le même fil que le contact PTT. Alors, ce qui fait du coup, j'ai essayé plusieurs micros préampli dessus. Oh putain la vache, ah d'accord. Dès que je passe en émission, eh bien, je me retrouve sur le canal d'à côté. Ah, c'est sympa. Ah bah oui, pour faire un QSY, là, c'est vite fait. Ouais, pour le pédale, tu te décales un canal à chaque fois. Ouais, c'est ça, à chaque fois, je me retrouvais à côté. Tu sais, merde, le dernier coup, ah putain, ça y est, je suis coincé en plein dans les bouchons, là, sur les quais de Bassins. Ah Bassins, là, tu vois, je suis à la sortie, à la bifurque, là, en haut de la 89, pour partir direction Normand, c'est complètement bouché. Ah la vache. Alors toi là je sors juste là du pro. Ah ben je suis content, ça va me faire du... je suis pas rendu avant... ouais, ça va me faire bien du 10h au 144. Ah chi, et l'autre, qu'est-ce qu'il fait là? Alors là, je viens de voir un truc qui est pas mal.
Le mec, il a des plaques d'immatriculation autocollantes. Ah putain, d'accord. Et là, je viens de le voir faire, là, d'arracher justement celle qui était dessus, quoi. Ben, si c'est la rocade est, c'est pas bon pour moi. La ouest, et encore, là déjà, moi, il faut que j'atteigne la côte de la GT. Après la côte de la GT, il faut que j'arrive jusqu'au feu. Puis après, bon, ça devrait être bon pour moi, quoi. Maintenant, si c'est rocade est, dommage. Ouais, 9h à Bassins, ça va être tordu, quoi. 9h à Bassins, hein. Putain la vache. Ah oui. Ça risque de faire limite. Bah ouais, mais là le pire c'est que j'ai décollé du dépôt à 6h30. Ah ouais, d'accord. Hein. Ah mais tiens, tu parles de ça justement là ce matin. J'ai un chauffeur là où j'étais là, qui devait prendre la route de bonne heure. Baissé, gros baison, il reste sur place. Et en plus, évidemment, la remorque chargée à bloc. D'après ce qu'il m'a dit le chauffeur, non pas lui, hein, il est obligé de faire venir une entreprise. Ouais, mais parce qu'ils ont des contrats de location. Ouais, je pense, oui. Ouais, ça marche comme ça, ouais, c'est des contrats de location avec des bois. Ah oui, ah ben ça tapait là, oui, ah ben oui, il y a des morceaux partout. Quoi. Ah, alors c'est de quel côté? Ça a tapé où? Ah putain, putain de micro. Ah chi. Du coup, j'ai pas compris. Hein. Dis, ça a tapé au feu. Au feu... lesquels feux? La 89. Ah putain, la sortie 26. Quand t'arrives de Libourne, descends sur les 4. Ah ben oui. Bravo, génial, super, ils sont sympas. Et là, eux, ils pensent à moi, là. Ah, chi. Justement, c'est la route que je vais prendre. Ouais, mais c'est pas dans ton sens, c'est dans le sens. Ouais, mais bon, tu sais comment sont les gens. Là, c'est l'attraction du jour, donc tout le monde va freiner jusqu'à voir même s'arrêter. Ah, ben ça. Ah ouais, c'est moi un peu une connerie, ça, il y a quelques années, justement, là, en bas du pont d'Aquitaine. Alors, ouais, le mec était dans le sens Mérignac-Pont-d'Aquitaine. Et à la hauteur de la dernière sortie, là, de l'autre côté sur la gauche, il y avait un feu de broussailles, hein, là, qui était là, sur le bord. Bon, c'était pas bien méchant. Ah ben, il y a quand même un qui s'est arrêté avec sa voiture en plein voie de gauche, là. Il était bien, là, au milieu, arrêté, puis il regardait le spectacle. Alors, t'arrives derrière, t'es content. Ouais, j'arrête. Ah ben là, apparemment, en ton sens, une fois que tu vas avoir chopé direction la rocade, ça roule, hein, dans ton sens. Là, ça bouchonne un peu sur la sortie, mais sinon ça roule. Ok, oui, la station derrière avec les bandes 73 de Dundee 33 coincée en bas de la côte de la GT. Rémi pour Bonnette. Ah putain, il est encore vivant celui-là! Ah chi! Les 73, mon ami, comment vas-tu? Impeccable de tout bien, c'est là les bouchons. Allez, t'es pas là, j'en ai la sortie sec, la direction Mérignac. Allez, bon. Ok, bon, comme tu te devines, je suis pas tout seul à parler. Là, je repasse le micro, salut, ouais, c'est Nico. Ok, bon, Nico, la belette ne t'entend pas, c'est normal. Le matin, quand il se lève, il oublie à chaque fois de se laver les oreilles. Et la belette, Nico, il t'entend très très QRP. Alors, vu la taille du bonhomme, ça m'étonne pas trop. Hachi! Y'a pas de problème, je le copierai plus tard, y'a pas de problème, je te remercie, on se tient.
Bon, t'as récupéré ton matériel parce que la semaine dernière, c'était pas fin, elle, la moduleur. Ben, disons que là, non mais là je suis toujours, là je suis avec le président Lincoln 2 hein, dans le push. Hein. Là, mais ce qui se passe, c'est que ben, ce n'est pas mes horaires de boulot. Hein. Et comme je suis multitâche moi, putain ça risque pas bordel, hachis, je suis multisite. Hein. Alors, ben voilà, la semaine dernière, et puis en plus avec des erreurs à la con, je fais, c'est coupé entre les journées du côté de dans les environs de Saint-Émilion. Après les nuits, soit je débauche à 6h, soit je débauche à 8h. Voilà pourquoi t'as pas pu m'entendre. Mais c'est pas vendredi ou un truc comme ça que tu es venu du côté de Saint-Médard ou un truc comme ça? Vendredi. Non, j'étais à. J'étais à Saint-Loubès. Eh bien là où j'étais tout à l'heure. Ouais, ben alors c'était là-bas, alors que t'as attendu, oui, parce que vendredi j'étais sur Saint-Loubès. Et t'as mis le module, mais c'était pas celle-là. Hein. Bon, alors c'était pas moi. Parce que là, depuis la dernière fois que je t'ai copié, c'est toujours le Lincoln 2 Plus là que j'ai dans le push. Ouais, le truc qui marche pas quand il éteint, quoi. Oui, voilà, pour que ça marche mieux, il faut l'éteindre. Oh, ben pourvu qu'il nous arrive arrière, alors. Non, il n'y a pas de problème, ouais, ouais. Bon, mais là, moi, je suis content. Ouais, voilà, si tu m'entends, il est où, le vieux, il a la presse, ça va. Oui, mais on fait là, que le arrive. Attends, je te repasse le micro. Ok, ouais, vas-y, Nico. Ouais, voilà, si tu m'entends, le vieux, il a la traîne par là, ou il roupille derrière le micro? Bon d'accord, la belette, Nico te demande où tu es, ou à moins que tu sois en train de roupiller derrière le micro. Ah mais ça je dors toute la journée, moi je suis en pilotage automatique, il n'y a pas de problème, le camion il va tout seul, moi je suis dans la cuchette. QTH, sortie numéro 6 exactement. Ok, sortie numéro 6. D'accord, non, je lui demandais si le vieux, il dormait derrière le micro, quand je lui dis le vieux, il sait de qui je parle. Ah d'accord, il te demande si le vieux il dort derrière le micro. Mais il n'y a pas de problème, bien sûr, comme d'habitude. J'entends par moment, mais c'est tout petit, ouais, dans le hôtel. Faut qu'il fasse attention jusqu'à un target à 2 euros là. Putain, j'arrive difficilement là, en haut de la côte de la GT. Putain la vache. Ils ont tous décidé de sortir à cette heure-ci. Non mais de toute façon, déjà, vu le temps, je m'y attendais à ce que ce soit la pagaille. Bon, et encore, ça va, c'est à peu près calme. Et t'as la chance, je viens d'allumer seulement il y a 10 minutes parce que j'étais avec le collègue. Du coup, j'avais pas allumé par rester pour lui. Il a le cerveau qui attrape vite la QRM avec la civile. Ouais, il ne voulait pas lui faire peur. C'est un petit jeune qui l'a vu, il ne voulait pas lui faire peur pour la vie de routier de côté. Faut le mettre dans le bain, faut lui mettre la micro à la main. Ouais, mais là, il va falloir lui donner envie. Là, il faut. Ouais, c'est le père Patrick. Il y a longtemps qu'il module, lui. Ça fait 10 ans que je le connais, même plus. Mais il prend le micro quand il pense ou quand il n'est pas dans ses rêves. Ah oui, d'accord. Oh, tu m'arrives bien fort là, Nico. C'est normal, je suis sous le panneau, je viens de passer, je suis en face du panneau qui t'indique la sortie 27 Clermont-Carbon-Blanc et j'ai passé la station là, je suis entre les deux. Ok, la belette là, tu m'entends toujours? Ah, mais moi il n'y a pas de problème, même si t'as un poste de faire mon qualité, je t'entends, hein. Ouais d'accord, là je suis en train de prendre, j'ai tout coupé là, je suis en train de prendre soin du poste à Nico, j'ai pas envie de le voir s'allumer comme un lampadaire quand je vais passer à côté de lui. Ouais, là c'est la moitié de l'arrivée, c'est pas assez bien, il y a pas de problème, mais c'est un problème. Bon, t'inquiète pas, il encaisse le poste, t'affole pas. Ah tiens, les mobilettes bleues d'un côté et le véhicule de gendarmerie de l'autre.
Aïe aïe. Alors lequel va rouler sur l'autre? Ah ben, il y a trois mobilettes bleues qui sont passées de mon côté, et puis il y a une fourgonnette de gendarmerie qui est partie avec la guirlande dans l'autre sens. La guirlande? Ils installent déjà les guirlandes de Noël? Ouais, mais enfin, quand tu les vois s'allumer, cela, c'est pas bon. Ah ben, je sais pas si tu vas me voir, en ce moment, il n'y a personne qui me double, mais un camion bleu et blanc avec une semi bleue. Je suis entre... j'arrive sur la sortie 1, voilà, pour attraper la rocade Est. Ouais, on va savoir, hein. Tu devrais me voir. Normalement, moi j'arrive sur le panneau, sur les trois panneaux là, qui de la sortie 27. Je suis en train de guetter. Bon, déjà, je te vois pas là sur la... Alors là, il y a une citerne. Alors, il y a un camion semi-vert, vert écriture jaune. Bon, t'es pas encore là. Camion bleu. Camion bleu et blanc. Ouais, c'est vrai, toi, camion bleu et blanc. Tu vas voir, il y a une antenne de 6000 sur le côté, sur le rétro. Et normalement, au fond de cabine, tu dois avoir clignoté une plaque multicolore. Là, c'était pas toi. Hein. En plus, celui que j'ai vu, hop là, oui, voilà, je suis sur ta gauche, là, le disque blanc. Alors en plus, ça va être génial, ça va être l'anecdote du jour, parce que là, je suis en train de faire une petite vidéo, là. Ouais, j'ai un matin, tu vois, voilà, y a ma plaque, tu l'as peut-être pas bien vu, mais j'ai ma plaque TOF dans le fond, c'est une plaque défilante. Ouais, j'ai vu, j'étais un petit peu surpris par la couleur de la plaque, hachis trois coups. Ouais, elle est rouge et bleu, et ça défile, ça affiche TOF, mais ça se met sur plusieurs motifs, ça va se décaler, ça fait plusieurs, c'est une plaque programmable en fait. Rouge et bleu, il m'a semblé la voir rose, moi, ou mauve. L'écriture est bleue et l'entourage est rose. Ah ben voilà. Ouais, c'est le rose qui a dominé, hein, depuis là où j'étais. Hein. Ah, c'est vrai, mais puis comme c'est vrai que c'est... En fond, comme ça, on va pas bien, c'est... ça a tendance à être un peu mauve, comme tu dis. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, c'est bien la première fois qu'on se croise comme ça sur la route, non? Oui, non, c'est la deuxième. La deuxième fois, j'étais arrêté à l'auberge de Gascogne, là-bas, et tu partais bosser. Ah oui, ouais, mais bon, comme je sais, c'est une fois passé que tu me l'as dit, quoi. C'est... je veux dire, pas là, je t'ai vu, là. J'ai vu le mal rasé qui était au volant. Hachi. Ça va être pour ça, ouais. Et puis à l'époque, j'étais pas dans ce boîte-là, j'étais pas encore chez eux. Ok. Attends, voilà, il y en a un qui essayait de me la faire à l'envers, là. J'en ai un, là, derrière moi, là, qui s'est pas gêné, là, de couper la ligne continue. Qui cherchait à se faufiler et à passer par la droite. Oui, ça c'est une question d'habitude. Ah tiens, un voisin à toi, tiens, transport avril. Là. Ah oui, effectivement. Avril. Ouais, attends, la belette, tu es toujours là? Bon, attends, je vais lui mettre un peu plus de vitamine. La belette, tu es toujours là? Bon, là, t'es complètement dans les choux, là, de mon côté. Là, je t'ai à peine deviné, là, dans le lointain. Bon, c'est pas grave, la belette, les bonnes sont 13-51, toi, bonne route, à la prochaine. Ouais, là t'as réussi à passer un chouïa plus fort, mais bon, c'est sûr que vu la taille du bonhomme, hein, on peut pas espérer plus. Ah, chi.
Ok, bon, ben voilà, la belette, là, il doit être assez loin. Là, je l'entends quasiment à peine. Retour à toi, Nico. Ouais, Charlotte, c'est pas Nico, c'est Christophe, en fait. L'opérateur. Ouais, mais la belette, ouais, je l'ai vu, on s'est fait un visu avec un de ses collègues, Patrick. On fait un visu pour le. Quand ils ont fait le rassemblement de camions, là. Hey, tu crois que putain, là c'est là qu'on voit que j'ai la tête dans le cul là, que je sors du boulot parce que j'ai même pas fait la différence au niveau de la voix quoi. Putain, cher Matt. non, c'est Zoulou 33, opérateur Christophe. Voilà. Mais bien sûr. Ah chi, putain, waouh, aïe aïe. Oh, ça te fait pas ça. Et c'est que le début de semaine. Ouais, c'est que là, toi, là, je débauche là maintenant. Demain c'est quoi? Demain c'est mercredi. Ouais bah oui, mercredi, jeudi, je suis en journée. Et après je crois que je rattaque après en nuit. Ok, ben moi là, je sais que je vais à Bassin, je charge, je vais à Langon après, et après je sais pas. Si c'est comme la semaine dernière, 2500 km dans la sèche. Ouais. Ouais mais bon, on va dire que pour toi c'est normal quoi. Ouais voilà, parce que je vois, tiens, puisque tu parles de kilomètres, je vois l'YL au niveau de son push, juste que pour le pro, ben c'est quand même 500 km par semaine. Ah ouais, moi ça m'étonne pas, de toute façon, et puis tu sais, ça va vite, hein, 5 km par ci, 10 km par là, 3 km à droite, 4 km à gauche, t'as vite fait de confronter le compteur. Ouais, en plus je me suis mal expliqué, juste pour aller du QRA au boulot, aller-retour, voilà c'est tout. Hein. Après elle ne se sert pas de son véhicule puisqu'elle est en poste fixe. Donc c'est juste le trajet pour aller au travail, c'est tout. Hein. Putain, là, je suis complètement bouché là, dans le sens inverse, là, dans le sens Libourne-Bordeaux. Hein. Putain la vache. Ah mais moi tout à l'heure ça bouchonnait depuis, ça commence à freiner devant le CF là-bas. Ah ouais, d'accord. Parce qu'apparemment, il y en a un qui a eu la bonne idée d'aller froisser l'oreille. Ah ben, la police, elle a pas aimé. Ah ben, tu m'étonnes. Ouais, en fait, nous, c'est des kilomètres, c'est une semaine normale, quoi. On prend la semaine, donc. La semaine dernière, j'ai fait Bordeaux, le 01, Je suis parti dans le 60, à côté de 60, et de 60, 70, 77, on descend à Bordeaux. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah ça va, ça. Putain, qu'est-ce que j'aimerais bien me balader comme ça, moi. Mais bon, étant plus jeune, j'ai. On va dire que j'ai. Enfin, ouais, à 18 ans, je me suis posé la question si je voulais une vie de couple ou prendre la route. Mais prendre la route en international, bien entendu. Et puis, et merde. Et du coup, j'ai pris la vie de couple. Bon, c'est pas grave. Dans une prochaine vie, je rectifierai le tir. Hachi. Ah, ben, excuse-moi. C'est le moment de s'y mettre. Il manque. Il y a 13 000 postes qui sont pas pourvus dans le transport. Ouais, mais bon, déjà, il faudrait que je passe le permis, que j'ai rapidement de l'expérience dans le domaine pour pouvoir me faire embaucher ensuite. Et à 55 ans, c'est pas gagné. Ah, mais après, t'as la maturité, donc voilà, tu seras pas un fou, quoi, comme les petits jeunes qui commencent, quoi. J'ai passé 44 ans. Ouais, effectivement, ça fait pas beaucoup d'écart. Mais bon, rien que cet écart, quand même, ça fait quand même la différence au niveau des employeurs après. Ah oui, affirmatif, mais tu sais, l'expérience, voilà, c'est une fois que t'as compris comment fonctionnait le camion et comment ça. Ce qu'il faut faire et pas faire, après t'as tout compris quoi.
Ah, tu m'étonnes, c'est même basique là-dessus même. Bah, tu m'étonnes. Par contre, là, je sens que je vais pas tarder à te perdre. Ben normal, je sens la côte de la GP. Ouais, et moi, là, je vais attaquer la côte du petit village La Poste. Ah, c'est ça, c'est en train de partir en sucette là. Ah, chi, là, je suis en train de te perdre. Bon, allez, je vais t'envoyer les bonnes sur 1351. Merci pour ce petit QSO et à la prochaine sur les ondes. Ok, ça marche, merci, bye bye, bonne route. Ciao. Vous voyez, il y a toujours du monde en fréquence. Il faut prendre le micro et se faire entendre. Pas entendre qu'une seule fois, mais sans arrêt. Faut pas hésiter. Quitte à faire du monologue, ça marche. À un moment donné, quelqu'un répondra. La preuve. Combien as-tu? Au niveau des routiers, ce qui se fait beaucoup, c'est qu'ils restent sur leur canal habituel. Ouais, et ils n'en bougent pas. Autrement dit, pour eux, la CB, bah, c'est un radio-téléphone. Ça part très très bien.
quand t'as vu un petit bonbon un peu blanc blanc, c'est terminé, il n'y a plus personne. À droite, c'est pas de soucis. Comme ça, mec, à gauche, pour pas fouiller aucun souci, continue comme ça. C'est quart du parapluie à droite, est-ce qu'il y aller comme ça, mec? Moi, je suis aucune gêne, porte à fou. Il est droite, pas plus, comme ça, on reste comme ça. Il y a 10 cm du bord du bordel, là. Vas-y, continue comme ça, mec. Non, mais on va essayer de s'écarter, vas-y doucement, voilà, c'est bon, ça va le faire. On passe à moins 5 cm, mais ça se fait, c'est bon. Allez, c'est bon pour ton bordel, là, ton armoire. Là. L'autre, là, il m'a été pressé, là, avec sa voiture de merde. Moi je vais commencer à payer, j'ai même laissé le fiche, j'ai la fiche, j'ai la fiche, j'ai la fiche.
vais faire les courses, mec, c'est gentil, mais je vais faire les courses pour demain. Ce soir, on m'en fout. J'ai un autre connard avec la Toyota de merde. Tu m'en fous ce soir, mec. Ah, je suis prochain, là. Je suis prochain. Matine. Facile, rose de pili, là.